Labo Mouvement Textile est une association de quatre créatrices clermontoises. Virginie Sauvadet, créatrice de robes de mariée et d'accessoires. Simone Veloso, prêt-à-porter féminin et accessoires brodés. Ninou Larose, modiste. Françoise Delair, création textile, mode et déco. Je fais quelques petites mitaines en dentelle. J'utilise essentiellement de la dentelle de Calais. J'ai des collections en noir et des collections spécifiques pour les mariés, en ivoire et en blanc. Et puis, je fais des petits jupons. J'ai un petit jupon qui est basique, qui nous sert de base. Et par-dessus, on ajoute la surjupe qui va être sur un demi-volume comme ici. Ou alors, si on a envie, un volume un petit peu plus important. Et voilà, et quand on va faire la fête, on s'amuse avec son petit jupon. Ma collection de robes de mariée se décline avec des modèles de base qui vont être assez épurés, de manière à pouvoir les personnaliser. Les nouveaux modèles que je suis en train de mettre au point sont des modèles dans un univers plutôt fluide, léger, aérien. Donc ici, on a une base de robe courte et un crêpe de soie ouvert et un donu tout bordé de dentelle perlée. Sur une robe de base en satin, on peut rajouter une surjupe en mousseline. On peut choisir le volume et le type de matière pour garder la légèreté. Je suis Simone Veloso, j'ai une ligne de prêt-à-porter et accessoires brodés. Voilà, mon travail est basé donc sur une ligne de prêt-à-porter entre tradition et modernité, avec des couleurs qui représentent la joie de vivre. Par exemple, dans prêt-à-porter, j'ai des lignes assez contemporaines et en fait, il y a une application de broderie qui vient agrémenter donc le vêtement. Ou alors on reste sobre, voilà, la même robe en fond noir, et on vient avec donc les accessoires agrémenter la tenue. C'est ce côté festif de la ligne. C'est un collier, donc un plastron collier sur une base de couleur avec donc une application de perles. La ligne donc est dansante, elle est joyeuse, donc toutes les femmes qui aiment ce côté festif et l'explosion de couleurs, elle n'hésite pas à venir me rencontrer pour que je puisse voilà, les parer. L'univers, c'est un univers très léger, féminin, couture, qui s'articule autour de cette résille synthétique. Donc avec cette résille, je travaille de la sculpture, comme ces damoiselles, présentes ici, pour décorer vos intérieurs, ou bien après des luminaires, comme le nuage qui gronde, voilà, qu'il faut imaginer par temps d'orage, avec un peu de vent, ça bouge. Au côté mode, je travaille cette résille avec du bijou, comme par exemple ce collier goutte, ou bien encore celui que je porte. Et à chaque fois, j'essaye de faire une déclinaison boucle d'oreille, bague, bracelet, pour assortir. Et ensuite, côté vêtements, avec de l'insertion sur des bases, ben là c'est un petit top d'été, en encolure, ou bien encore de l'incrustation, une tunique en soie, ou bien encore quelque chose de plus graphique avec une robe trapèze. Une matière très légère à porter, très facile d'entretien et qui offre une multitude de créations possibles.
Bonjour, donc je suis Ninou et je confectionne des chapeaux essentiellement pour la cérémonie. Mais les chapeaux pour moi sont tout ce qui va sur la tête. Donc on peut imaginer du serre-tête comme ce modèle. Voilà, petite chose comme ceci. Mais un serre-tête aussi qui peut être beaucoup plus présent et qui s'apparente vraiment à du chapeau, mais qui tient quand même grâce à un serre-tête et qui fait un très bel effet hein, sur une toilette et qui ne vous décoiffera pas. Voilà, après nous avons une capeline, tout ce qu'il y a de plus classique. Celle-ci, elle est ornée de tulle hein, et de côtes d'autruche. J'ai quelques turbans également que l'on peut confectionner selon vos envies et selon la tenue que vous allez porter. Donc j'ai plusieurs gabarits, on va dire, hein, selon votre morphologie. Je propose également des accessoires tels que les pochettes qui permettent de faire un joli rappel de votre chapeau. Sachez que le chapeau, c'est le point sur le i, ce sera la ponctuation à votre tenue pour être toujours élégante en toutes circonstances.